Les aventuriers. Wow. Ouais. C'est nous. Wow. Les aventuriers. Bon, on aura bientôt parcouru 2 vols d'oiseaux. Elle est où cette pyramide? On ne le saura jamais vu que tu t'es torché avec la carte. Il faudrait vraiment que tu arrêtes de mesurer les choses en vols d'oiseaux, Dandy. Oh, pardonnez-moi, Votre Altesse. Hein. C'est vrai que la coudée royale, c'est bien plus scientifique. La coudée a été utilisée par la plupart des civilisations antiques, Dandy. Elle utilise une partie noble du corps et représente la main tendue vers l'autre. Eh ben heureusement qu'ils ont choisi une partie noble et pas autre chose. Ça aurait été marrant de voir un pharaon mesurer les distances avec ça. Attendez, bon. Regardez là-bas. Encore? Non, mais là, c'est... La pyramide. Génial, waouh. C'est dingue. Elle ne ressemble pas à l'architecture inca. Même la roche semble provenir directement de Gizeh. Et Gizeh, si c'est pas le cas? Effectivement, c'est incroyable. Ce sont des calcaires anumulites. Alors que les pyramides amazoniennes sont construites de blocs de granit. Bon, on s'en fout de ces crustacés. Par où on entre? L'entrée est souvent face au nord. C'est-à-dire de ce côté. Elle pourrait être cachée par... ces grands panneaux là-bas, vous voyez? Oh! C'est l'heure de faire parler... La poudre. Tiens, il y a encore des dessins rigolos sur les pierres. Et ça dit quoi, Champollion? Alors, bonhomme bien coiffé, bandelette, renard couché... Ouais, c'est un pharaon qui soigne un animal. Un type bien, quoi. Ce n'est pas un renard couché, oh là là. C'est Inpou, le dieu des morts. Anubis. Ça ne présage rien de bon. T'inquiète, Anubis, il ne pourra rien nous arriver. Bon, du coup, on fait quoi? On la fait sauter cette porte ou... Non, parce que je vais pas rester là toute la journée à écouter ces blagues. Hein. Moi, ça me donne envie de faire sauter des trucs. Ce qui tombe bien, car... Mais t'es malade! Mais tu pouvais pas attendre qu'on soit à l'abri! Ferme ton bec et vole! Je dois avouer que je n'y ai pas pensé. Cachez-vous derrière ces pierres! Yeah, rock and roll! Je suis entouré de malades! J'aime l'odeur de la dynamite au petit déjeuner. Et moi, le goût de la terre. Oh. Ah, c'est un beau jour pour mourir. Alors, si on pouvait éviter, ça m'arrangerait. J'ai une couvée de petits œufs qui m'attend dans mon nid. Oh, qu'est-ce que ça pue là-dedans? Allumez ces torches. On n'y voit rien. Je suppose que maintenant, on cherche la tombe du pharaon. Ou quel que soit le nom inca qu'on lui donne. On l'appelle le Sapa, l'inca principal. Le Sapa? Eh, ça passe ou ça casse? Sa tombe devrait être droit devant, en bas de ce couloir descendant. Ah bon, il suffit d'aller tout droit? Je pensais que les pyramides étaient de vrais labyrinthes. Tiens, c'est marrant, il y a 3 chaises face au sarcophage. On dirait que quelqu'un nous attendait. Qui veux-tu qu'il nous attende dans une pyramide vieille de plus de 3000 ans? Avec toutes ces bandelettes, j'ai une petite idée. Une infirmière sexy? Non, une... Dusty, mais pourquoi tu t'es assis? Ça fait 3 jours qu'on marche. On dort à même le sol, on porte les sacs à dos. Moi, si je peux avoir le choix d'une infirmière sexy, je préfère m'installer confortablement. Tu as déclenché un mécanisme, on est enfermé. Mais non, c'est le spectacle qui commence. Allez, chute. Mais c'est pas le spectacle qui commence, Dandy. On va mourir. Arrête un peu tes bêtises. Et c'est quoi ce bruit qu'on entend partout? On dirait comme... Des menottes? C'est une policière sexy? Oh non, regardez, des dizaines de trappe-tueurs sortent par ces... Je crois qu'il y a pire. Regardez le sarcophage. Et c'est là. Mommy! Je suis le grand pharaon Inca. Laissez-moi vous chanter mon histoire. La momie maléfique revit, personne n'en avait fait le pari. Il existait pourtant une prophétie. Prophétie! À l'attaque! Ça c'est pas une momie sexy! Ah! Il y a plein de crottes qui s'approchent de moi, je vais y laisser des plumes! Concentrez-vous sur l'inca principal, pas sur les crustacés! Inca principal ou pas, bien grillé, j'en ferai mon inca principal! Aïe! Il y en a un qui m'impense! Aïe! Moi aussi! Mais balancez les crottes sur la momie! Quoi? Et faites ce que je dis! Prends ça, momie caline! Mais ça n'a aucun sens! Oh, bien que ça marche! Regardez, les crabes sont en train de dévorer la momie! Oh.
Et ils s'en vont. On dirait qu'ils sont rassasiés. Victoire. Ça mériterait même une petite danse de la victoire. Qu'en pensez-vous? Ouais, façon mommy beatbox. Les aventuriers. Les aventuriers. Bravo, Dandy. Je vais peut-être regretter de te dire ça, mais je pense qu'on devrait te faire plus souvent confiance. T'inquiète, fillette. L'important, c'est que cette fois, vous m'avez cru. C'est assez. Ah non, mais cette fois, c'est bon. Je me casse. De quoi nos aventuriers devraient-ils avoir le plus peur? De cette pyramide qui pourrait bien devenir leur tombeau? Ou de succomber des suites d'une autre blague lamentable de Dandy? Vous le découvrirez en écoutant le prochain épisode des Aventuriers. On l'appelle... Fate. Les Aventuriers.